remercier également à l'ensemble des arbitres. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir très très fort. Allez, présentation maintenant de la finale de la catégorie des Benjamins. Il représente le club de Jouy-les-Tours, monsieur Mathis Jaune. Plaque 37, il nous vient du club de Nogent-le-Roi, Valentin Méry. Le club de la Chapelle Saint-Mémin, Paul Bogulaski. Le club de Kerkeville, Léo Grisel. Le club d'Évreux, avec sa plaque 23, Antoine Ternon. De nouveau le club d'Évreux, représenté dans cette finale, Tidiane Diem. La plaque 91, le club de Locmaria avec Loën Leroux. Et finalement, représentant le club de Cholet avec sa plaque 34, monsieur Quentin Relier. Allez, tous ensemble, nous pouvons faire le silence le plus total pour la concentration des pilotes. Merci beaucoup. Voilà, ça y est, c'est parti, et bien pour la grande finale de la catégorie des Benjamins. Et à l'intérieur, le Chapellois se fait légèrement un petit peu enfermé. C'est la plaque 16 de Diem Tidiane, le club des Roux, qui se détache comme un véritable favori. Et la plaque 37 de Valentin Méry, le club de Nogent-le-Roi occupe la deuxième position, le Chapellois. Et bien tente de prendre le rythme imposé, il occupe maintenant la quatrième position. Toujours Évreux, toujours Évreux. Tidiane Diem file vers une éventuelle victoire. Avec la plaque 37, Valentin Méry occupe la deuxième position. Et l'excellent retour de Antoine Ternon, le club des Roux, eh bien qui montera sur le podium avec une troisième place. Mais le grand vainqueur, il est du club des Roux, c'est Tidiane Diem, mesdames et messieurs. On peut les applaudir très, très, très fort. Juste avant de vous nous quitter, un grand merci également à nos amis Socorus qui ont œuvré toute la journée pour la sécurité.